Bonjour, bienvenue au domaine du caveau bugiste. On est une entreprise familiale depuis 1967. Village et domaine très fleuri, comme tu peux le voir, hein. Belle pierre bugiste. Autre particularité, on a beaucoup développé le no-tourisme depuis une trentaine d'années. Donc on a un musée qui est lié à tous les outils de la vigne, de la tonnellerie, de la sommellerie, etc. Une des plus belles collections de France. Un vinorama aussi qui explique le département de l'Ain, le Bugey, et nous, notre domaine, notre production, comment on travaille, ce que l'on fait. Dernière chose assez intéressante, on a un musée des vieux outils de la pierre, parce que la pierre est vraiment liée au vin, hein. La vigne pousse sur la terre, pousse sur la roche. On a de la famille qui est sculpteur, tailleur de pierre, donc comme vous pouvez le voir un petit peu de partout, on a des sculptures, on a des belles pierres, on a plein de choses pour passer le bon moment. Et bien maintenant, suivez-moi, on va aller voir le domaine. À la salle de dégustation du caveau. Ici, pas mal de tonneaux qui sont exposés. Du coup, quand les gens y rentrent, ils viennent généralement déguster ici. Ils s'assoient, on amène les bouteilles, tout se passe bien. On a la présentation de toutes nos bouteilles qui sont derrière avec les fiches techniques pour que les gens puissent comprendre, savoir toute la gamme qu'on fait qui est assez grande. On a plein d'expositions aussi, tire-bouchons, verres, et puis tous les mois et demi des expositions de peintures différentes. Et tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Caveau Bugiste, le Facebook, Instagram, site internet, plein de nouveautés. www.caveau-bugiste.fr. Visite virtuelle de votre canapé, de chez vous. Vous visitez le caveau. Et bien sûr, après, rejoignez-nous, venez ici pour déguster. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Dégustation du vin coup de cœur, le Chardonnay Vieille Vigne 2020 du Caveau Bugiste, médaille d'or au concours agricole à Paris. Souple, frais, rond, très agréable. Des super arômes, on est vraiment dans un panier d'agrumes, du fruit, fruit à chair blanche. C'est rond, c'est souple, beaucoup de fraîcheur, vraiment très agréable. Super accord à faire avec les rillettes de carpe de la Dombe que l'on trouve chez nous, au caveau bugiste. Donc la carpe, beaucoup de rondeur aussi, qui amène du gras, de la matière, qui s'accordera très bien avec le vin. Et vous, c'est quoi votre vin préféré ?